tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, comme vous pouvez le voir, je reviens pour le hall Noz, après le hall Action. Donc, c'est celui de Castres. J'ai trouvé quelques petites choses, ouais, pas non plus des 100 et des 1000, mais bon, voilà, je tenais à vous les montrer. Donc, tout d'abord, évidemment, pour ma pépette, un coussin princesse. Rassurez-vous, celui-là, je vais vraiment le laisser. Il y a beau avoir Cendrillon dessus quand même, il ne faut pas exagérer. J'ai payé ceci 3,99 €. Elle était ravie, évidemment. Pour sa chambre, c'est très bien. Je vous préviens, je passe du coq à l'âne. J'ai trouvé au rayon, on va dire scrap, des petits. Je ne sais pas comment ils appellent ça en fait, parce que c'est pas écrit en français. C'est de la marque Scrapper's Choice. D'Avanti. Voilà. J'ai payé ça 30 centimes. Alors en fait, ce sont des petites. Ouais, comment dire, des petits morceaux. Pas de bois, mais. Où en fait, on peut y mettre les autocollants comme ceci. Vous savez, c'est un peu comme à Action. En fait, vous collez dessus, vous grattez avec le petit bâton et ça se met sur le petit socle là. Je sais pas si c'est en bois ou quoi. Faut dire que c'est pas super bien expliqué. Non, on dirait du carton. Ouais, c'est peut-être du carton. Et donc après le carton, il faut le coller ben, là où vous voulez. Voilà. Donc j'en ai pris deux pour 30 centimes. Hein. Et j'avais pris ça aussi pour l'album de ma fille, 30 centimes. Donc c'est un petit, ben, vous voyez, un petit berceau avec des petits cœurs rouges. Ils sont mignons. Donc c'est en effet, ouais, c'est en aluminium, je pense. Et donc c'est autocollant, comme vous pouvez le voir. De la même marque. Ensuite, de la marque Heinz, j'ai pris une mayonnaise, une grosse mayonnaise de 875 millilitres. Voilà. À 1,99 €. Donc là, on a de quoi. Il faut la goûter, je ne sais pas. Je n'ai jamais pris cette marque. En principe, on prend toujours Bénédictin, nous, c'est notre mayonnaise. J'ai dit pourquoi pas changer. Après tout, c'est un gros format et tout. Voilà. Ensuite, à 99 centimes, j'ai trouvé de la marque Syracuse, du citron. Donc, vous voyez, deux bouteilles de citron. Chacune de 30. Non. 12,5. Mais quoi? Qu'est-ce qui me va? Enfin, tout ça fait 30 centilitres. Ouais, c'est compliqué ça. Parce qu'il marque 2 fois 12,5 centilitres plus 20%. Ouais, on a tout compris. Donc en fait, grosso modo, elles doivent faire 15 centilitres chacune. Si le tout fait 30 centilitres. Hein, voilà, si mes calculs sont bons. Hein. Et c'est vrai que quand on se rend compte que souvent une bouteille coûte 1 euro et quelques, là 99 centimes. Les deux, j'étais ravie. Ensuite, pour ma pépette, en ce moment, je regarde aussi un petit peu vice-versa. Et j'ai trouvé donc de la marque, c'est quoi déjà? Parce qu'ils en ont souvent des comme ça. Zaini. Voilà. Ce sont des petits œufs en chocolat, donc avec les personnages de vice-versa, à 1,50 €. Du coup, j'en ai pris deux. Voilà. Ensuite, dans le bac à moins 50%, il y avait des chocolats comme ceci. Donc, en fait, c'est un énorme œuf de 266 grammes, si j'ai bien calculé. Et il y a des petits chocolats dedans. Donc, c'était à 3,99 € à la base. Et donc, je l'ai eu à 1,99 €. Voilà. Ensuite, j'ai retrouvé une petite American Candle. Donc, Vanilla Cupcake. Alors, comme on en a quand même pas mal de grandes dans la maison. D'ailleurs, sous mes yeux, là, j'ai dans la super lanterne que j'avais acheté à Action. Vous savez, Rose Gold, là. J'ai mis une grosse American Candle, évidemment, Vanilla Cupcake. Mais comme j'adore les petites, je trouve ça mignon, ça peut aller partout. J'en ai repris une. Elle sent trop bonne celle-là, j'adore. À 1,49 €. Voilà. Moi, je préfère toutes ces odeurs sucrées et tout que les odeurs de propre. Enfin, je dis pas que j'aime pas non plus, mais je préfère. Ensuite, pour ma pépette, j'ai trouvé pour son bain à 99 centimes. C'est de la marque, vous savez, The Secret of Pets.
Donc, ce sont des petits palets effervescents, donc en forme de chien. Je trouve ça super mignon, donc je lui ai pris. À voir. 99 centimes, on va pas, hein, on va pas se priver. Ensuite, dans le bac, à 50%, j'ai pris. C'est lingette à 99 centimes de la marque Pure. Alors ça c'est pour c'est des lingettes action nettoyante avec agent purificateur et oxyde de zinc. Donc c'est des lingettes démaquillantes. Mais comme mon homme en ce moment me la peau un petit peu pas mal de boutons. Il va me tuer s'il sait que je vous le dis ça. J'ai dit, ça ne peut pas lui faire du mal, même si, voilà, normalement, c'est des lingettes démaquillantes, je pense. J'ai dit qu'il peut s'en servir comme ça pour vraiment bien se nettoyer le visage en profondeur. Et il y en a 30, apparemment. Parce qu'il y en a 25 à la base, et là, ils disent 20% de plus, donc 30. Voilà. Donc, 30 lingettes pour 50 centimes, au final, c'est très bien. Et là aussi, 99 centimes, donc à moins 50%. Donc, 50 centimes, je les ai payés. Il y en a 25. Alors là, c'est par contre, c'est 25 lingettes nettoyantes à l'eau micellaire. Voilà. Donc ça, je les ai pris pour moi. Pour me démaquiller, pour... Ensuite, toujours dans le bac à moins 80... moins 50%. J'ai trouvé, donc il était à 1,20€, je l'ai payé, donc 60 centimes. Je l'avais déjà trouvé, c'est de la marque Possibility Endless. C'est au Raspberry Pavlova. J'adore, ça sent trop trop bon, donc c'est une crème pour les mains. Vous savez ma passion pour les crèmes pour les mains. Et celle-là, elle sent tellement bon que franchement, la première fois que je l'avais pris, je regrettais parce que ça sentait tellement bon et tout que j'avais dit, mince, j'aurais dû en prendre deux. Et au final, je suis contente parce que je le retrouvais en plus à moitié prix. Nickel. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Elite, un dissolvant pour ongles artificiels. Donc, vous savez, c'est les fameux. On plonge dedans et ça enlève le vernis, quoi. Mais ça, j'aime bien ce genre de peau. C'est pas mal du tout. Donc, 99 centimes, ça vaut le coup. Surtout de la marque Elite. Ensuite, à consommer avec modération. J'ai pris du vin à 1,99€. Ça s'appelle Lost Clop. Il est de 2012. Il est produit en Argentine. Voilà. Et la deuxième bouteille, c'est Cellar Choice versus Mellow and Smooth. Donc là aussi de 2012. Alors mon mari me dit que il a un arôme, je vous dirai. Il y a 750 millilitres. Voilà. Donc les deux sont de 2012. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé pour ma pépette c'était 2,99€, des petites sandales comme ça. Et c'est rare que je trouve des chaussures là-bas. Donc j'ai trouvé ça trop mignonne. Elles étaient trop mignonnes là, un léopard. Je les ai pris en 22 parce qu'il n'y avait pas du 23. J'ai testé, on les a essayées dans le magasin. Elle est super bien apparemment. Elle était toute contente. Voilà. Ce sera pour maintenant, là, les jours où il fait pas super, super beau. Et j'ai trouvé des petites sandales ouvertes avec un petit chat. Donc, c'est à scratch. Voilà, comme ceci. Il y a des petits papillons sur les semelles. C'est de la marque Befado. Je ne connais pas du tout. En 23. Et j'ai payé ceci 3,99€. Là, elles étaient 1€ plus cher. Mais bon. Franchement, au final, j'ai payé 7€ de paire de chaussures neuves. Je trouve que c'est pas mal. Ensuite, alors, j'ai trouvé ceci. C'est, alors, j'adore le packaging, franchement. Donc, c'est à la nectarine blanche. C'est un gommage corporel de la marque Grass Cole Boutique. C'est donc une marque anglaise. J'adore vraiment le packaging et puis ça sent super, super, super bon. J'ai
Payez ceci 2,99 € et il y a 238 millilitres. Attention, c'est super précis, quoi. Ensuite, j'ai trouvé un album de 100 pages pour mettre 400 photos de 10 par 15 à 2,99 €. Donc voilà, j'étais trop contente parce que ben, pour continuer après, je compte faire un album pour ces 1 an, pour ces 2 ans et tout. Il faut d'abord que je finisse celui de naissance. On n'est pas dans la même, hein. Parce que j'avance pas en ce moment du tout. Il faut que je vous fasse la vidéo d'ailleurs du début. Donc vous voyez un petit peu. Donc vous voyez, ça se passe comme ceci. Mais vraiment ravi, ravi d'avoir trouvé ça. Ensuite, alors ça c'est la faute à Virginie, des trouvailles de Virginie. Sauf que moi j'ai été. J'ai été. J'ai triché en fait. J'ai décollé un petit peu pour voir, sans abîmer ni rien. Mais je voulais pas me prendre en 52 000 pour me retrouver avec tous en même 50 verts, 50 oranges et pas avoir forcément un qui m'a enfin, qui m'a manqué un. Donc du coup, je peux vous les ouvrir maintenant. Donc je vous présente le orange, donc c'est ouais, l'orange. Une jolie tête là. Voilà, donc ça c'était l'orange. Normalement je les ai tous, hein, et normalement il y en a 4, non? Si mes souvenirs sont bons. Oh non, il y en avait 5. Mince, et bien je crois que j'y retourne. Il y en avait 5. Et bien non, je croyais qu'il n'y en avait que 4. Ensuite, j'ai. En train de défoncer les boîtes. Hein. Bon, je m'en fous. Hein. Je ne vais pas les garder. Hein. Oh, pétard. Ah, mais donc, c'est la poire. Ouais, c'est la poire que j'ai pas. Parce que là, nous avons. D'accord. Drame en direct. Il s'est sorti du truc. Enfin bon, bref, je l'arrangerai après. Donc voilà la pastèque. Ensuite, nous avons le raisin. Voilà. Et pour finir, la pomme. Donc il me manque ben, la poire, il faudra que j'y retourne. Tant pis. Ça me donnera une occasion de retourner à Noz, quoi. Comme s'il me fallait. Comme s'il me fallait une raison pour aller à Noz. Ouais. Ouais. Ensuite, j'ai trouvé de la marque. Alors il n'y en avait qu'un. De la marque Béranger Makeup. Un color kit de petits vernis. Alors il y en a 5. J'ai trouvé les teintes magnifiques. Hein. Ce jaune pour l'été, mais même le orangé corail, quoi. Alors là, ça lui met une tuerie, quoi. Le violet et le petit marron, là, marron beige, magnifique, franchement. À la base, ça coûtait 4 euros. Et j'ai payé ça 1,75 €. Voilà. Donc j'étais toute contente. Et c'était le seul qu'il y avait. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Make Me Rouge Express by Make Me Up. C'est de la teinte. Il n'y avait que celui-là. J'étais. Ouais. C'était bizarre. Il n'y avait que celui-ci. C'est la teinte 530. Rose nacré, si je vois bien. Donc, il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch. Oula. Il est vraiment. Je vous fais un swatch à la One Again. Voilà. Il est vraiment discret, quoi. Mais bon, des fois, c'est pas plus mal. Parce que moi, des fois, j'aime pas mettre des trucs trop voyants comme rouge à lèvres. Pourtant, j'en ai. Mais du coup, je les mets pour des vidéos, pour des trucs comme ça. Ou
pour une soirée vraiment, mais en mettre au quotidien des flashy, non. Ou pour une photo, pourquoi pas. Ensuite, de la marque, de la marque, de la marque. Bonne question. Merci de l'avoir posée. Ah, peut-être là. Alors, si je comprends bien, c'est une marque anglaise. Je sais pas si vous reconnaissez le sigle ou quoi que ce soit. Aucune idée. Donc, c'est le Pink Rose, le numéro 1. Ouais, peut-être c'est la marque, c'est au-dessus. Field Day. Donc là, c'est un très beau rose poudré. Alors, je vais vous faire un swatch. Très joli. Voilà. 85 centimes. Je vous ai dit le prix celui-là, 99. Hein. Ensuite, il y a le numéro 2, qui est un petit peu plus soutenu. Voilà. Et puis, ça sent bon. Donc ça, c'est... Mon mari qui me dit, mais je suis sûre que c'est le packaging qui t'a fait les choisir. J'ai dit, ouais, j'ai dit la senteur aussi. Ça, c'est le numéro 3, pardon, fuchsia. Et l'autre, il s'appelait, pardon, je ne vous ai pas dit, tulipe, le 2. Et là, c'est fuchsia. Bon, et en même temps, il est plus fuchsia. Hein. C'est vraiment des jolies teintes. Hein. Voilà. Donc, 85 centimes. Et pour finir, j'ai trouvé deux petits baumes. Donc, Fruity Balm. Donc là, c'est à la menthe, celui-ci. Donc, c'est la marque Béranger Makeup. Donc, comme ça. Ça ressemble un peu aux US. Et celui-ci, il est au citron. Voilà. Et j'ai payé ceci 1,75 €. Donc, voilà, j'étais super contente parce que apparemment ça vaut. S'ils les mettent à 1,75 €, c'est qu'à mon avis, ça doit quand même valoir beaucoup plus cher. J'ai pas cherché. Si j'ai le temps de vous le chercher, je vous dirai. Je vous mettrai dans la vidéo combien ils sont à la base. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à la partager, bien évidemment. À vous abonner pour ceux et celles qui ne le sauraient pas encore. Vous êtes un petit peu plus chaque jour et c'est vraiment un bonheur pour moi d'agrandir ma famille YouTube. Donc merci à mes abonnés. Encore une fois, je ne vous le dis jamais assez. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai que pour moi, c'est très important. Vous m'aidez à avancer. Donc c'est voilà, c'est vraiment gentil de votre part d'être là et d'avancer avec moi. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!